Dans cette vidéo, je vais tout simplement prendre les rênes de l'Olympique Lyonnais pour l'équivalent de 3 saisons où je vais tout simplement essayer de faire revenir l'Olympique Lyonnais à son réel niveau en essayant du coup tout simplement de gagner un maximum de trophées. Et donc sans plus tarder, on est directement parti. Donc voilà à quoi va ressembler notre équipe pour cette première saison. On a une équipe qui est déjà assez bonne sur le papier. Bien sûr, on a toujours quelques améliorations à faire, que ce soit en défense ou au milieu de terrain. Mais au niveau de l'équipe, on a une équipe qui est assez jeune, avec une moyenne d'âge assez basse. Donc on va essayer de prêter un maximum de joueurs pour cette première saison. Donc voilà, on a un effectif qui est assez rempli avec beaucoup de jeunes comme Le Penant, etc. Donc on est directement parti pour le mercato. On va avoir un budget de 61 millions d'euros. Et donc on va commencer notre mercato du coup avec des prêts, où j'ai commencé en prêtant Joan Le Penant, qui part une saison à la Juventus pour acquérir de l'expérience. Même si je pense pas qu'il va beaucoup jouer là-bas, mais il va quand même acquérir de l'expérience, il va quand même progresser. On a aussi prêté Orban de saison, qui part du côté du Real Betis, qui afin de progresser. On a aussi ensuite prêté Diomonde, qui part une saison en prêt du côté du Napoli. On a ce poste de défense où il faut qu'on l'améliore du coup. On a aussi prêté Akoko, qui part en prêt une saison à Girona. On a ensuite continué avec le prêt d'Adrilson, qui part en prêt une saison à Villarreal du coup. On a aussi prêté Kombedi, qui part en prêt du côté de Séville. On a prêté un maximum de joueurs, comme je l'ai dit en début de vidéo, parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs. Malik Fofana aussi part une saison en prêt à Crystal Palace. Et donc pour la première recrue, c'est tout simplement, on a commencé par recruter Etienne Capoue, qui débarque du coup de Villarreal pour l'équivalent de 8 500 000 euros. Il a une très bonne note générale, il est à 81 je crois. Il va renforcer notre milieu de terrain, même s'il est vieux, il a 35 ans. Mais avec 81 de général, il rend titulaire. On a ensuite continué en recrutant Devridge, qui vient remplir ce poste de défense. Après le départ de Diomonde, il nous fallait un meilleur défenseur central. C'est tout simplement Stéphane Devridge qui débarque de l'Inter Milan pour 21 millions d'euros. Il nous a coûté quand même assez cher. Mais il a une très bonne générale, 82. C'est le meilleur défenseur qu'on a dans l'équipe, donc c'était un achat qui est assez bon. On a ensuite continué avec le recrutement de Keylor Navas, qui débarque pour très peu, débarque pour 800 000 euros du Paris Saint-Germain. Et donc après le recrutement de Navas, on a bien évidemment vendu Anthony Lopez, qui part du coup du côté de Galatasaray pour 13 millions d'euros. Ça nous a fait un bénéfice de 12 millions d'euros, sachant que Keylor Navas a une meilleure note que Anthony Lopez sur FIFA. Donc on a très bien géré notre argent sur ce coup là on a ensuite recruté avec l'argent qu'on avait Diego Dalot du côté de Manchester United, qui débarque avec un échange. Du coup, on leur a donné Clint Palmata plus 34 millions. Et donc voilà à quoi ressemble notre équipe pour cette première saison. On a une équipe qui est déjà très bonne, avec Diego Dalot et Stéphane Devridge, qui viennent renforcer notre défense. En attaque, j'ai décidé de faire confiance à Ryan Cherki et à Saïd Benrahma sur les côtés. On a une très bonne équipe, malgré le fait que le banc reste assez moyen. Donc voilà les gars, on a terminé de simuler cette première saison, et comme vous le voyez, ça a commencé très très bien pour nous, car on a fini premier de Ligue 1 avec un point d'avance seulement sur le Paris Saint-Germain. C'était assez serré, mais on avait une large avance sur les troisièmes, qui sont du coup l'Olympique de Marseille. On a fini premier dès la première saison, on réalise une surprise en gagnant la Ligue 1, et du coup en décrochant une place en Ligue des Champions pour la deuxième saison. Au niveau de la Coupe Nationale, on a éliminé Bordeaux dès les 16e de finale au tir au but. En 8e de finale, on a éliminé le Stade Rennais 3-2. En quart de finale, on a battu Strasbourg 2-1. Et en demi-finale, malheureusement, on s'est fait sortir face à Lorient, qui tout simplement ont perdu 4-0 face au PSG. Au niveau des compétitions européennes, on n'a joué aucune malheureusement pour cette première saison, car Lyon n'était pas qualifié. On a ensuite au niveau des stats beaucoup de progression pour cette première saison. On a gagné la Ligue 1 avec Diego Dalot, qui s'est pris quand même par exemple un plus 2. La Casette s'est pris malheureusement moins 1. 31 buts, meilleur buteur pour cette saison. 10 passes décisives, incroyable saison pour lui. Saïd Benrahma aussi, qui était en prêt de West Ham, qui a fini avec 21 buts, 7 passes D. Malheureusement, il n'a pas progressé en termes de général, il a 78 toujours. On a aussi Nwama, le joueur du Ghana, qui s'est pris un plus 3.
mais qui est malheureusement en prêt. Je pense pas qu'on va le recruter parce qu'on va plutôt faire confiance à Ryan Cherki qui a pas fait une grosse saison avec 10 matchs, 2 buts seulement. Au niveau des stats, on a Kellen Navas qui s'est pris un moins 2. Eric Sanchez s'est pris un plus 1 du coup au milieu de terrain et du coup qui est monté à 82 général à 24 ans seulement. Nicolas qui a pas progressé. Maxence Cacré qui s'est pris un plus 1. Capou qui s'est pris un moins 3. Cherki s'est pris un plus 2, il est monté à 76 de général. Orban, le joueur en presse, s'est pris du coup un plus 2. Adrielson aussi plus 1. Donc voilà, beaucoup de petites progressions pour cette première saison. Deuxième saison, on a intérêt à faire un meilleur mercato si on veut être directement parmi les concurrents du trophée de la Ligue des Champions. Donc on est directement parti pour le mercato de la deuxième saison. On aura du coup 80 millions d'euros au budget pour cette deuxième saison. On a commencé notre mercato en recrutant Saïd Benrahma qui a fait une très grosse saison pour un début. Du coup, on a gagné la Ligue 1 avec lui en attaque. Donc, j'ai pris la décision de le recruter. Il ne l'a pas coûté si cher que ça. Il a coûté 16 millions d'euros. On a ensuite continué notre mercato par la vente de Corentin Tolisso qui nous quitte du coup tout simplement pour signer du côté de la Première Ligue à Brighton pour l'équivalent de 10 millions d'euros. Donc Tolisso qui a plus sa place dans l'équipe après le recrutement de Capou. On a ensuite vendu aussi Alexandre Lacazette. C'était pas dans mes plans de le vendre, mais on a reçu une offre du Real Madrid. Il a une valeur de 20 millions d'euros. On m'a proposé 30 millions d'euros. Donc j'ai accepté parce qu'il nous fallait de l'argent et on pourrait recruter un meilleur avant-centre qu'Alexandre Lacazette. Donc Alexandre Lacazette qui nous quitte pour signer du côté du Real Madrid. Et du coup, on a besoin d'un nouveau avant-centre vu qu'on a aussi vendu notre attaquant remplaçant Tino Kadewere, du coup, qui est parti du côté de Las Palmas. On a ensuite prêté Koumbédi encore une saison à Sporting. Il n'avait pas assez progressé pour qu'il soit titulaire avec nous cette saison. On a aussi reprêté Joan Le Penon qui part cette fois-ci deux saisons après du côté du LOSC où il va plus jouer du coup vu qu'avec la Juve il a pas trop joué. On a du coup recruté un buteur, c'est tout simplement Sébastien Haller qui débarque du club du Borussia Dortmund. On a recruté pour l'équivalent de 30 millions d'euros. On a ensuite vendu Mamadou Sarr qui quitte le club. On a acheté Adrien Rabiot qui débarque, un très bon milieu de terrain. Il nous fallait un milieu de terrain star comme ça. On avait 80 millions d'euros de budget, donc fallait qu'on se permette d'acheter de tels joueurs. Donc on l'a recruté du côté de la Juve pour l'équivalent de 45 millions d'euros. On a aussi prêté à Kouko de nouveau une saison du côté de Feyenoord aux Pays-Bas du coup. On a ensuite vendu Tagliafico qui n'avait plus sa place dans l'équipe au poste de défenseur gauche et du coup qui part du côté de l'Atlético de Madrid pour l'équivalent de 12 millions d'euros. On a aussi vendu Nemanja Matic qui part du club après le recrutement d'Adrien Rabiot. On a beaucoup de très bons milieux de terrain avec Maxence Cacré. Donc on l'a vendu et il nous quitte pour aller du côté de Gironde pour l'équivalent de 4 800 000 euros. Il est assez vieux, donc c'est à sa valeur. On a ensuite recruté Rafael Guerrero qui débarque du coup pour le poste d'arrière gauche et on a signé du Bayern Munich pour l'équivalent de 28 millions d'euros. Donc voilà pour ce qui est du mercato, on est directement parti pour simuler cette deuxième saison. Après une première saison où on a réussi à gagner la Ligue 1, on a malheureusement cette fois-ci échoué vu qu'on a fini deuxième derrière le Paris Saint-Germain, très loin. Au niveau du trophée des champions, on a malheureusement perdu face au PSG. Et en Coupe de France, on s'est fait éliminer dès les 16e de finale face au Stade de Reims. Ça reste une saison assez ratée comparée à la première saison. Mais au niveau de la Ligue des champions, où cette fois-ci, on a pu y participer, on a fini deuxième derrière le FC Barcelone dans notre groupe avec 9 points. Le Barça avait 16 points, on était à ça de se faire éliminer du coup si on avait perdu notre match face à Sporting, mais on est passé pour les 8e de finale. Mais malheureusement en 8e de finale notre parcours s'arrête face à l'Inter Milan 4-3 sur les deux scores. Et donc pour les stats
des joueurs malgré cette saison ratée. Il nous reste une troisième saison pour aller essayer de chercher la Champions League. Sébastien Haller a fini meilleur buteur avec 28 buts et 4 passes décisives. Saïd Ahmed derrière avec 20 buts, 5 passes décisives. Presque la même saison celle de la première, Saïd Ahmed. On a aussi Eric Sanchez qui s'est pris un plus 2, Ryan Cherki plus 3 au niveau des progressions. Diego Dalot plus 2 qui est monté à 86. Adrien Rabiot plus 1 à 85. Guerreau et Devridge n'ont pas bougé. Eric Sanchez qui s'est pris un plus 2. Saïd Ahmed plus 3 qui est monté à 81 de général. Orban plus 3 aussi qui est monté à 79 de général et qui va revenir pour la prochaine saison. Il va être un très bon attaquant remplaçant du coup derrière Sébastien Haller. Et donc pour la dernière saison, on aura un budget de 102 millions d'euros. On a un budget où on peut être à l'aise. Au niveau du recrutement, on a commencé par recruter un gardien de but vu que Keylor Navas a beaucoup régressé sur cette saison. On a recruté Yann Sommer, du coup, le gardien suisse qui débarque à l'Olympique Lyonnais pour l'équivalent de 2 millions d'euros seulement. On a ensuite recruté Pierre Kaloulou qui signe au club, du coup, l'ancien de l'AC Milan. On l'a recruté pour l'équivalent de 38 millions d'euros. Il était à Leeds au moment où je l'ai recruté. Donc Pierre Kaloulou, il va beaucoup progresser, il est jeune. On a ensuite vendu Lucas Perry. Du coup, après le recrutement de Yann Sommer, on n'avait plus besoin de lui. Et on l'a vendu au Napoli pour l'équivalent de 19 millions d'euros. On a aussi vendu Keylor Navas qui est du coup parti. Vu qu'on ne pouvait plus le titulariser après le départ de Yann Sommer. Il allait juste causer des problèmes. On l'a aussi prêté à Kouko. Et donc Keylor Navas qui a signé au Real Betis pour 3 millions d'euros. Et donc voilà à quoi va ressembler l'équipe. On a une très bonne équipe sur le papier. On a aussi recruté Sacha Boué du coup qui a débarqué du Bayern Munich pour l'équivalent de 40 millions d'euros. On se retrouve avec une très belle équipe avec Sacha Boué, Devridge, Kaloulou et Dalot en défense. Yann Sommer au bois, Kakré, Guerreiro, Rabiot au milieu de terrain, une attaque Cherki, Haller et Saïd Ben Rahma. On a une très bonne équipe qui peut essayer d'aller chercher au moins les demi-finales de Ligue des Champions. Donc sans plus tarder, on est directement parti pour 6 minutes. Donc voilà les gars, on a terminé de simuler. Comme vous le voyez, malheureusement, on a fini 5e en Ligue 1, saison assez ratée, assez catastrophique. On a fini avec 62 points seulement, 6 défaites, 11 matchs nuls et 17 victoires. Et aussi, on s'est fait licencier à la fin de la saison. On a aussi, au niveau de la Coupe de France, en 16e de finale, on a battu le Stade Rennais 3-2. Et en 8e de finale, on a battu le Stade Brest 3-1. Au niveau des quarts de finale, malheureusement, on s'est fait sortir face au PSG 4-1 et donc le PSG qui sont partis gagner cette Coupe de France. Au niveau de la Ligue des Champions, on s'est fait éliminer dès la phase de groupe où on avait eu une phase de groupe assez relevée avec l'Atlanta Bergame, le Real Madrid et Club Brugge. On a fini avec 6 points. On était à 3 points de la qualification en 8e. Au vu de l'équipe, ça reste une saison quand même assez catastrophique et donc du coup, on est descendu en Europa League. Et malheureusement, pour ce qui est de l'Europa League, on n'a pas fait un bon parcours. On s'est fait sortir dès les 16e de finale face à Braga au tir au but. Et donc Braga qui se sont fait sortir face à Arsenal. Arsenal qui sont partis gagner cette Europa League. Au niveau des stats pour cette saison, on a tout simplement en meilleur buteur Saïd Ben Rahma qui a fini du coup avec 21 buts cette saison. Derrière lui, Ryan Cherki avec 12 buts. Et Sébastien Haller qui a fait une saison assez moyenne avec 10 buts seulement, malheureusement pour lui. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Les gars, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker.